Amis du jour et du soir, bonjour et bienvenue, nous sommes samedi soir. Ouais, c'est ça, samedi 12 octobre. Tout à fait, 21h31, très exactement. Et bah, je suis en week-end, donc à partir de là, voilà, la journée s'est pas trop mal passée, je suis pas trop claqué, je me suis dit, allez, on va lancer un petit live parce que j'ai très envie de continuer. Ce jeu Pine qui est sorti avant-hier, c'est ça, avant-hier, dans toutes les bonnes boucheries chevalines. Pour ma part, la boucherie dans laquelle je l'ai acheté, c'est GOG. Voilà, GOG devant l'éternel. Parce que le DRM free, c'est la vie, je l'ai déjà dit dans l'autre live, mais c'est pas grave, je le redis, je le répète. GOG.com, c'est la vie. Le DRM free, c'est la vie. Voilà. Ceci n'est pas du tout sponsorisé. Pas du tout. C'est pas vrai. Je n'en suis pas là. Et donc, le jeu m'a vraiment laissé une très très bonne impression hier. Je me suis vraiment amusé dessus. Il y a moyen de faire beaucoup de choses. Et j'y ai pas mal repensé toute la journée, en fait, au boulot. Je me suis dit, tiens, j'ai envie de poursuivre. J'ai vraiment envie de poursuivre le truc, de voir ce qui est faisable au niveau des donjons, ce genre de trucs et tout. On va continuer ce soir. Tout simplement. Eh oui. Eh oui. Alors, faut juste que je checkouille un truc. Ta 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 ta. Hop. Hop. Ok. Nickel Miguel. Ok, donc je vais démarrer le jeu, hein, tout simplement. Tout simplement. J'ai pas oublié. Non, j'ai rien oublié, c'est bon. Ah, pour l'instant, vous voyez rien. Il y a déjà eu une mage d'ailleurs. J'ai lancé Galaxy tout à l'heure et le jeu proposait déjà une mage. C'est assez fou. Je vais tout ce pas switcher. Je suis sur l'écran du jeu. À tout de suite. Ok. Donc les musiques, hein, toujours aussi enivrantes, j'ai envie de dire. On s'en était arrêté à quoi? Ha! A priori, celui-là. Je pense que c'est ça. Ouais, si, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc pour ceux qui connaîtraient pas le jeu, qui n'étaient pas là hier ou quoi, qui n'ont pas entendu parler, nous incarnons Hugh, un petit être humain qui passe pas la meilleure journée de sa vie quand même. Hein. Son frère vient de mourir, écrasé par une bûche. Son village est détruit, tout ça. Hein? Non. Hein, c'était pas ça. Merde. Pardon. Je m'ai trompé. Ah, du coup, c'est... Ah, ok, d'accord. Et donc, oui, donc... Son frère s'est fait écraser par un gros tronc d'arbre. Et donc, en fait, on est dans un monde où les humains ne sont pas les êtres les plus intelligents et les plus évolués. Attends, qu'est-ce que c'est que ce délire? Je l'ai déjà fait, ça. Pourquoi? Alors. C'est marrant, 2 minutes. Mais seulement 2 minutes. Attention le jeu, hein. Tu vas... Ah, c'est bon. Ok. Donc, voilà, j'en étais là, j'en étais resté là. Donc, passe une mauvaise journée. Donc, son frère vient de mourir, tout ça. Mais il décide quand même de partir à l'aventure parce qu'il se rend compte que, y a plein de choses à visiter en dehors de son village. Village que les anciens interdisent formellement de quitter.
Évidemment, comme on est un jeune homme plein de... je ne trouve plus mes mots. Ah, de vie, plein de vie et de volonté, bah, on part à l'aventure. Voilà, on brave les interdits. Et donc il y a plein de trucs, il y a des systèmes de factions, de machins, de choses. Il y a moyen d'être pote avec des gens si on leur fait des offrandes. Enfin, le jeu a l'air d'être vachement complet quand même. Et c'est plutôt cool. Cité du bois du coin. C'est lesquels ceux-là? Des baies roses. Oh, un petit fruit sucré commun qui pousse sur des arbustes spécifiques dans les bois du coin. Ah d'accord. Bon, je vais essayer de retourner parce que du coup j'ai déjà, comme j'ai joué hier, j'ai déjà un peu exploré les trucs et tout ça. Je vais... merde, je me souviens plus. Il y a un premier village dans ce coin-là que j'ai déjà rencontré et il y a moyen d'être copain avec les gens. Donc je vais essayer d'être copain avec eux. Placer mon marqueur là. Et on va y aller. Il faut que je trouve des trucs en plus, des orbes. Hey, je peux ramasser des machins encore. Des patates. Il y a du loot, il y a du craft. Il y a l'air d'y avoir vraiment plein plein de trucs. C'est une marque étrange. Ce territoire est sacré pour notre espèce. Nous essaierons toujours de reprendre ce village, car c'est notre capitale. Ok. On ramasse des trucs, on trouve des machins, on fait des bidules. C'est plutôt cool. Et la direction artistique est vraiment sympa. Le jeu est pas dégueu, quoi, pour un jeu indé, hein. C'est un jeu indé, totalement. Est-ce que je peux? Est-ce que je vais réussir à grimper? Ah! Je suis sûr, il y a moyen. Oh! Et regardez-moi ça. Regardez-moi ce cheval de Skyrim. You, tu m'as fait peur. Où es-tu allé? Je suis allé en dehors. Ah oui, il y a des coquilles de traduction aussi qui sont de toute beauté. Waouh, tu vas rester ici maintenant? Pas vraiment, il y a beaucoup de réponses là-bas. Fais attention, je croiserai les doigts pour que tu réussisses. Merci, c'est somme toute assez aimable. On peut crafter des machins, des bidules. Des choses. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. Parce qu'on ne répète jamais assez les choses. Tout le monde me parle. Tout le monde est interactif. Est-ce que... Oh bah ça va, je suis... Ça va, ça va. Une chute de plusieurs mètres dans un torrent. Ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. Youpi! Plouf! Eh, salut Al! Comment vas-tu, cher ami? Bonsoir. Bienvenue, bon week-end. Est-ce que la journée a été bonne?
Comment ça va? Eh ben moi ça va fort bien. Je suis en week-end. Et j'ai eu envie de streamer le même jeu qu'hier. Alors du coup, bah me voici, me voilà en train de streamer le même jeu qu'hier. Parce que j'avais vraiment envie de le continuer quoi. Je veux vraiment. Je sais pas, il me. Ouais. Il m'obsède un peu. Enfin, bah non, il m'obsède pas, faut pas déconner, j'exagère, mais. Mais j'ai pas mal repensé au jeu pendant la journée et du coup. Voilà. J'avais envie d'y jouer. Et de le streamer. Tout simplement. Ça va bien de ton côté. Bon, bah si ça va, tant mieux. Oui, c'est ça, je voulais. Ah, mais non, c'est pas du tout. Je suis pas du tout au bon endroit. Je voulais aller là-bas. Qu'est-ce qu'il veut, lui, là? Calme-toi. Il a l'air vraiment bien. Ah, non, mais. Je pense qu'il faut le. Faut que je continue encore à l'explorer. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas encore. J'ai pas encore vu, j'y ai joué que 3 heures quoi. Donc forcément, tu peux pas tout voir d'un jeu en 3 heures. Sauf, bien sûr, si le jeu dure 3 heures. Là, bah là, oui, voilà. Mais je pense pas que ce soit un jeu qui dure 3 heures. Je pense pas qu'il ait déjà été speedrunné. Donc voilà quoi. Imagine qu'il prend beaucoup de temps. Bah ouais, un open world en général. Après. Si le temps est bien rempli, puisque le problème des open world en général, c'est que tu t'emmerdes très très vite. Parce que c'est souvent du remplissage et tout ça. Tu vois, tu fais toujours les mêmes choses, en répétition, en boucle, en boucle, en boucle. Et quand t'as exploré le 10e donjon qui ressemble à tous les autres donjons que t'as visités jusqu'à maintenant. Et qu'il n'y a pas grand chose de nouveau, bah, à un moment, t'as envie de faire autre chose, quoi. Donc là, le jeu encore est tout frais. Donc, je m'éclate dessus. On verra par la suite. Repos du minerai. Alors, eux, qu'est-ce qu'ils aiment bien? Du fer tendre. Du bois de marc. Ah, ça tombe bien, j'en ai plein. Du blé commun. On est d'accord que ça n'a rien changé là, que je leur donne des trucs. Papa. Je voudrais pouvoir être copain avec eux. Si on est amis, on va. Ça bouge pas. Qu'est-ce qui bouge pas? Hein? Le jeu? Oui, bah oui. Attends, attends, ça va venir. Ah, ça ils aiment bien. Ça ils aiment bien aussi. Ça ils aiment moins. Les patates, ils aiment pas trop les patates. Confirmons l'échange. Ah, et du coup les autres ils sont devenus moins sympas. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais faire ça. Oui, bah c'est normal, ça bouge pas trop encore. C'est parce que j'ai pas fait grand chose. Comment je peux devenir leur copain autre que Un procès au combat n'est pas rare pour décider qui prendra. Tu parlais de la barre. Ah oui, d'accord, pardon, excuse-moi. Oui, non, ça ne bougeait pas beaucoup, c'est vrai. Faut trouver ce qui plaît à chacun, je pense, hein. Je voudrais juste revoir.
Espèce et affinité, nanana. Je peux utiliser les boîtes de donation pour leur offrir des objets améliorés notre contact. Village, il existe de nombreux villages. Nanana. Chaque village a un totem que je peux voir de loin. C'est ici que les villageois apportent leurs ressources après les avoir assemblées, échangées, obtenues après un affrontement. Ok. Alors on va voir ce que c'est que cette histoire de totem. Est-ce que je peux mettre des trucs dedans ou pas? Aliments, matériaux. On est d'accord que le marchand, je crois qu'il voudra toujours pas me parler. Ça, c'est le chef. Il s'en fout. Ah, c'est ça, le marchand est là. Ah, bah si, je peux lui parler. Un. Un. Ah, ça, c'est bien, ça. Alors, tissu souple, idée. Conçu pour couvrir des objets tels que les équipements de protection. Je les ai pas déjà, ça? Tissu souple, j'ai déjà, donc j'ai pas besoin de l'acheter. Moufles de bois. Des moufles chaudes, imaginez. Pour t'aider au combat et pour te garder au chaud. Protège Tiba de bois. Plaque de protection pour te protéger des attaques peu ciblées. Ah oh putain, les musiques qui s'enflamment. Hop, équipement, qu'est-ce que j'ai déjà? Ok. Moufle de bois, oui. Oui, moi aussi ça me... Alors, si on essaye d'acheter un truc. Genre... Genre ça. Si je veux l'acheter. Ah ouais, genre faut bourrer en... Ah, faut bourrer en trucs et tout ça. Ah, ok. Bon, on va dire que pour l'instant, j'ai pas besoin d'acheter ce truc-là. Hein. On va déjà essayer de crafter ce que j'ai déjà. Salut Francky! Comment ça va? Tu viens donc voir ce jeu dont le titre te... Turlupine! Comment ça va Francky? Ouais, non, mais il y a tellement de jeux de mots possibles avec ce... Avec ce jeu, c'est... Non, c'est... C'est assez fantastique. Alors attends, si du coup ce que je voulais voir, on va voir justement, il manquait des trucs pour crafter des machins. Lui c'est bon, lui il me manquait du tissu souple, il m'en manque un, donc je vais le fabriquer. Ok, ça c'est bon. Et il me manque de la mousse de gravier. Ok, du coup, est-ce que lui il en a? Pas du tout. Donc ça ne sert à rien. Ça peut aller. Bah nous, moi ça va, écoute, un peu malade, mais je me soigne, ça commence à aller mieux. J'espère que c'est pas trop grave ce qui t'arrive, Francky, si c'est pas trop la forme. C'est quoi comme jeu? C'est un Zelda-like. Un mélange entre Zelda et Fable. Fable premier du nom. En open world et tout ça. Donc t'as ton personnage à qui il est arrivé des emmerdes. Forcément, sinon il partirait pas à l'aventure. Si tout se passait bien dans sa vie, il partirait pas de chez lui. Et donc il part découvrir le monde. Et en fait, on est dans un monde où l'espèce humaine n'est pas l'espèce dominante. C'est même tout le contraire. Donc on découvre ce qui se passe.
On découvre. Voilà, tout, on découvre. Et c'est plutôt cool. Donc faut que je trouve de la mousse machin là. Rien de grave. Il y a la sœur qui est là et t'as la flemme. Ok, bon, tu me rassures. Tu me rassures. Ah, j'imagine ça doit pas être évident de streamer avec la famille dans les coins. Ça fait un peu Breath of the Wild. Ouais, totalement. Totalement. On en parlait hier. C'est pas étonnant non plus parce que bah, Breath of the Wild, un peu à la manière de Witcher 3, il a quand même eu un gros impact sur la façon de gérer un open world. Donc forcément, fallait s'attendre à voir des jeux arriver et qui s'en inspirent. C'était obligé. Attends, je vois juste. Ah voilà, c'était ça. Faut que tu vois ce que tu vas faire niveau stream, ce que tu fais en ce moment te va pas trop. Ah bah oui, donc si ce que tu fais en live te convient plus, c'est le signe qu'il faut revoir certaines choses. Tout à fait. T'as envie de faire que du rétro. Ouais, bah ouais. C'est un choix valable. En plus, t'as quand même. Je suis toujours étonné de voir les. Oh! Non! Non, 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 tu n'es pas mon ami. Je suis toujours étonné de voir les connaissances que t'as en termes de rétro gaming, Francky, c'est ouf. Donc, une chaîne axée rétro gaming, ça t'irait bien. Ça t'irait très bien. Commencer Arkham Asylum, mais en stream, tu te fais chier. Bah, il y a des jeux comme ça, je pense que selon les personnes, ils sont pas faits pour être streamés, tu vois. Genre, moi, ça m'a fait pareil avec Vampyr de Dontnod. Le jeu a l'air très cool, hein. Il a plein de choses à proposer et tout ça, mais alors, en stream, je m'éclatais pas du tout dessus, quoi. Je me forçais à le faire en stream. Donc, j'ai décidé de l'arrêter. Je le continuerai moi de mon côté. Par contre, je tourne en rond. Tiens, je vais créer ça. Et on va créer ça. Ok, je sais pas à quoi ça servait. C'est des jeux. Avant de les streamer, il faut les avoir poncés. Et les connaître super bien. Pour qu'en stream, ça soit vivant et que ça passe mieux. Ouais, peut-être, je sais pas. Je sais pas. Après, Arkham, c'est des jeux assez nerveux, quoi. Faut que ça bouge. Tu vois, si on se contente de faire un truc un peu pépère et tout ça, c'est vrai que c'est peut-être pas la meilleure façon de procéder. Tu m'as vu en détresse sur Vampyr. Bah, c'est qu'en fait le jeu propose plein de choses, l'histoire a l'air vachement prenante, mais il est très bavard. Il est très très bavard comme jeu, et comme les trois quarts du temps, bah, t'es dans une phase de dialogue, et que j'essaie de pas trop parler pendant qu'il y a des dialogues, parce que bah, je me doute que les gens qui regardent, ils ont envie de suivre un peu aussi l'histoire. Et bah, tu vois les trois quarts du stream où je suis là, comme ça, devant ma caméra, et puis je dis rien, parce que je veux pas gêner le dialogue. On a vu plus divertissant comme stream. Vous en conviendrez.
Donc ouais, Vampire, je pense que je le terminerai moi de mon côté. En solo, offline, tranquille. Et puis voilà. T'as vu Dreadoom qui faisait Toonstruck, il en pouvait plus que ça, arrête pas de parler. Ouais. Bah après, le pauvre Dreadoom. Là, ces derniers temps, il était pas très. J'ai l'impression qu'il était pas très porté sur le streaming. Il y avait beaucoup de choses qui l'emmerdaient un peu ou qui lui pesaient. Et Toonstruck, c'était pas le jeu qu'il fallait pour que ça s'améliore. Bon, je me balade, hein, je suis perdu, je sais pas ce que je fais, je sais pas où je vais, qui je suis, ni dans quelle étagère. Il y a des lucioles, il y a une orbe, on va la récupérer. Voilà, après Toonstruck, c'est vrai que faut. Moi, je me suis régalé dessus, hein, je l'ai kiffé, Toonstruck, vraiment. Mais je peux comprendre que ça puisse saouler. C'est vrai qu'il parle beaucoup, c'est un humour particulier. Faut s'accrocher. Grès de sable. Grès de sable. C'est un truc ça? Oui! Mais je ne peux pas le récolter. Ah, là-bas il y a un truc. Oh, il n'y en a qu'un. Oh, je suis déçu. Ah, mais c'est pas de la mousse de gravier. Mélange vigoureux. Du verre poli. Je me rappelle plus ce que c'est, brevet du ramasseur, brevet du gardien. Des trucs à trouver sans doute, hein. Alors ça, c'est le truc de quelle faction? Silence de la falaise. Ah mais c'est mes copains, eux. Ah et bah non. Le streamer a peu d'espace pour animer sur ce jeu. Ah bah tu te souviens quand on l'avait fait sur ma chaîne, Francky, le jeu fait les blagues lui-même. Il n'a pas besoin du streamer en fait. C'est un jeu qui s'auto-alimente en termes de blagues à la con et tout ça. Donc bah le streamer est en trop, clairement. Bonjour les copains. Salut. Tagazok. Bon, tissu souple, j'ai déjà. Moufle de bois, protège-tibia de bois. Ah oui, non. Par contre, ce qui serait sympa, tu vois, là je trouve un petit truc par rapport au stuff. Ce serait nous montrer les statistiques. Parce que qui me dit que le protège-tibia de bois là, c'est pas de la grosse merde. Que c'est pas moins efficace que ce que j'ai déjà. Hein? Ce serait bien d'avoir les statistiques, les copains. Donc bah non, je vais rien vous acheter, monsieur, parce que je ne sais point si je me fais avoir. Tiens, lui là-bas. Bonjour. Es-tu le seul humain? Je ne vois que toi tout le temps. Ok. Bah non, je suis pas le seul, mais les autres, ils sont tous flippés. Vous leur faites peur. Alors, ils veulent pas venir. Bon, c'est Randonnée Simulator quand même, hein. Si vous aimez la marche à pied, vous êtes au bon endroit. Waouh. Tu crois qu'on pourra aller voir là-bas? Allez, Dieu. Bon. Bon allez, on a assez traîné. On a dit qu'il fallait aller voir
des trucs. Maison. 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 Mais. Il n'y a que des maisons. Je crois que c'était à l'embête pour la marche à pied. Si t'aimes bien la marche à pied, viens donc faire un tour à l'embête. Ah, Matmata. Oui, tu peux aussi aller à l'embête. Tout à fait, Al, tu as raison. Donc voilà, vous avez le choix. Si vous aimez la marche à pied, vous pouvez aller à l'embête et puis sur mon live. Voilà, voire vous pouvez même faire les deux, vous pouvez aller à l'embête pour regarder mon live. Ça fait un combo, tu vois, ça rajoute des points. C'est une idée comme ça. Alors il y a un truc que je sais pas, c'est est-ce que... Il est clair que tu dois encore apprendre beaucoup de choses sur la vie et les règles à la créature. Semble être à la fois assez gentil pour la ramasse et amène les brevets. Alors, moi je veux bien les ramasser, mais si tu ne dis pas où c'est, ça va être un peu compliqué. Peut-être qu'il faut que je suive. Les marqueurs jaunes qui m'emmèneront à destination. Allez, vas-y, on va aller par là. Tout droit. On va bien voir ce que ça va donner. Objectif. Allez tout là-bas. Hey, il y a des trucs à ramasser. Et alors une question, mon cher Frankie. Si d'aventure tu axes entièrement ta chaîne sur le rétro. Choix tout à fait louable, hein, bien évidemment. Qu'en est-il de ta réflexion sur montrer ta tronche ou pas. Ce qui me semble à un moment que tu envisageais de montrer ta gueule sur Twitch. Ce qui n'est absolument pas obligatoire, hein, on est d'accord. Je suis pas en train de réclamer de voir ta tête. Mais je sais que tu pensais sérieusement à... Enfin, que tu envisageais sérieusement de le... De montrer ta trogne. Est-ce que c'est toujours le cas ou pas? Est-ce que tu t'es décidé? Oh, une plume de pufle! Nous avons trouvé des plumes de pufle. Est-ce que je peux monter là? Oui! Mon petit nom, c'est Nelson. Nelson, montez là. Pardon? Non? Hmm? Non, non, j'ai rien dit, j'ai pas parlé, c'est pas moi. Ça n'est pas moi. Pas du tout. Pas du tout. Je suis loin? Ah oui, oh la vache, je suis tellement loin. C'est pas grave, on va continuer. Regardez-moi ces jolis paysages, ces bucoliques. Bon, il y a sûrement des trucs qui vont vouloir me tomber sur la gueule. Genre lui. Aïe. Hop. Mais non. Ah l'enfoiré. Aïe. Vite!
Oh l'enfoiré, vite! Ah oh, putain, ils sont deux! Vite, fuyons! Ah oh, les bâtards! On se casse, on se casse! Repli stratégique, vite! Toi, viens m'aider! Ah non, mais il m'en veut aussi, lui! Merde! Tu crois qu'ils peuvent me... Oh la vache! On se casse, on se casse! Ça craint par ici, ça craint du boudin! Qu'est-ce qu'il dit? Attends... Là, je suis tout vu en attendant la réponse. Tout nu, tout vu, oui. C'est comme tout oui, mais avec les... Ah, d'accord, pardon. Réponse qui ne viendrait, semble-t-il pas. Et peut-être Francky a-t-il est-il parti s'occuper de Toby, son fidèle compagnon canin et câlin aussi, parce que j'imagine que Toby doit lui faire des câlinous. Alors, est-ce que maintenant je peux ou pas? Non. Ah, j'ai plus de corde de bois. Eh ben, je vais refaire de la corde de bois. Voilà. Donc, encore... Ah, putain. Corde de bois. Eh, mais en même temps, j'ai des pièges. Pourquoi j'essaierais pas de me servir des pièges qui effraient les créatures? Créatures paniquent et laissent tomber les affaires personnelles qu'elles portent à ce moment. Ah! Faudra que j'essaye de piéger des saloperies. Parce que je vais vite être vulnérable quand même, hein, j'ai l'impression. Et moi j'aime pas trop ça d'être vulnérable. Hein? Parce que vous vous rappelez... Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Donc à partir de là, faut quand même faire attention. Tiens, je vais reconstruire des flèches. Putain, il me manque juste une mousse, hein. Attends, je vais essayer de le buter, lui. Ouh! Merde! Fuyons! Attends, d'abord je ramasse ça. Vite, fuyons! Salut, salut les poufs! Tac. Voilà. Putain, c'est loin! Ah, je suis retrouvé. Je suis retrouvé. J'ai retrouvé. Lui. Bonjour. Je ne fais pas de faveur, humain. Viens me voir quand tu auras la marchandise. Ouais, c'est vrai. Lui, je dois lui apporter des trucs et machin. Donc, je suis revenu là où j'étais au début du live. Tout va très bien. Vache, comment c'est trop à perpète. Allez. Youpi! Plouf! On va suivre le chemin. D'accord? C'est le chemin de l'aventure. Traçons le chemin! Ah, la DA est vraiment cool sur ce jeu. Ouais, c'était un totem. Paparam. Paparam. Ah, les bois inondés. New area discovered. Attention. Prenez garde.
Est-ce que ça veut dire que je suis plein? Probablement. Alors, je fais comment pour les mettre, les pièges? Hein, je me souviens plus. Comment je fais? Piège. Est-ce que... Ça, on est d'accord que c'est... Oh putain, faut appuyer à chaque fois. Non, c'est chiant. Hop. Ça ne me dit rien, c'est parfait. Ou alors peut-être que c'est parce que je peux pas le ramasser tout simplement, j'ai pas ce qu'il faut en termes de... Ah, une orbe! Ramassons-la. On en est à 6 sur 25 pour ce bon vieux grob. Ah, encore une orbe là-bas, je l'ai vue! Je l'ai vue, elle est à moi! Elle est à moi! Ah! Sneaky! Chut! Merde! Tiens, dans ta gueule! Pardon. Aïe, ça fait mal. Voilà. Par contre, j'ai pas l'impression qu'on gagne d'XP dans ce jeu. Ça doit être vraiment à la manière d'un Zelda, tu augmentes tes niveaux en améliorant ton stuff et tout ça. Non! Non! Je suis pas. Je suis trop jeune pour mûrir! En même temps, je me pointe en zone hostile, sans être préparé. D'aucuns diraient que je suis un peu con. Et ils auraient pas totalement tort. En même temps, c'est aussi ça l'aventure. C'est partir vers l'inconnu. Affronter moult péripéties. Ah, là-bas, il y a des trucs. Et voilà, et risquer de décéder au moindre croisement. Ah mais non, c'est un truc pour faire des clés, ça, voilà, ça y est, je me souviens. Il dit qu'il a retrouvé la mémoire, pour l'instant. Ça, ah non, ok, d'accord, je m'en vais, je m'en vais. Non! Caserne stable. Tu crois que je peux leur donner des trucs? Qu'est-ce qu'ils aiment bien? Si je leur donne de la cuisse là. Ouais, la cuisse, ils aiment bien. Ça, non? Ça, pff, ils s'en branlent. Ça, ils s'en... Tamponne l'oreille avec le... Tamponne le coquillard. Voilà, j'arrive même plus à parler, c'est terrible. Pomme de pin. Ah, et puis ils sont pas loin de... Attends. Ah, c'est bon, ils sont neutres.
Il en faut pas beaucoup pour qu'ils passent neutre. Ouais, exactement. Donc là, c'est bon. Ils sont neutres. Je vais pouvoir y retourner. Sans risquer la mort imminente et immédiate. Et grimpe. Rappelle-toi, tu es un poney de Skyrim. Bonjour. Je voudrais entrer, s'il vous plaît. C'est pas par là. Eh, moi je dis, il y a moyen que je passe là. Excusez-moi, mais l'ouverture est assez grande. C'est pas juste. Je peux rentrer là. Ah, pourquoi? Bon, c'est pas grave. Ah, ok. C'est super, ça a servi à rien. Alors moi je veux bien. Hein. Mais en gros tu leur as balancé un jambon, ça les a calmés. Ouais, voilà, exactement. Un petit bout de barbac. Et puis c'est bon, les mecs ils sont refaits, tu vois, genre. Bah, en même temps, t'as vu la tronche, c'est des crocodiles quoi. Bonjour. Tu leur files un truc, ils sont. Obrogrum. Je ne devrais pas parler à des humains. J'ai entendu des choses mitigées. Ah. Bonjour. Pardon. Bonjour. Tout est fermé. C'est parfait. Ah, le grand chef Powhatan. Coucou. Je crois qu'il ne veut pas me parler. Bon, c'est pas grave, on va. Et lui? Eh, hey, copain. Ah, c'est bon. C'est quoi ça? Protège jambes, crâne. Protège bras, crâne. Ah tiens. On va voir ce que ça donne. Je n'échange qu'avec des amis. Va te faire foutre. Ah. Ouais, donc à mon avis, le système de faction et tout ça là, d'influence, c'est vraiment un truc sur lequel il faut peser. Sans mauvais jeu de mots avec la balance, tout ça. Hein, voilà. Eh ben c'est pas grave, on va repartir. En espérant trouver des trucs. Alors peut-être que l'autre là, ici, je dois pouvoir y aller. Allez, on part là-bas. On va aller voir. Allons-y, let's go. C'est parti, les amis. On va... Ils m'ont pas vu. Je peux ramasser ça? C'est un gros radis, une betterave. Moi j'aime bien la betterave. C'est bon, c'est sucré. Non, vous m'avez pas vu, vous m'avez pas entendu. Merde.
Je crois qu'ils m'ont vu et qu'ils m'ont entendu. Je suis pas là. Ah putain, j'ai le nez qui me démange, c'est horrible. C'est quoi? Du bois. Je commence à voir ce qu'il faut en termes de bois quand même. Un gros tiron. C'est comme un potiron, mais en plus gros. Ah, là-haut il y a des trucs. Là-haut il y a totalement des trucs. Vite! Ok, c'était pas ça que je voulais, mais c'est pas grave. Argile sèche. Sinon c'est joli. Hein. Ah, il y a un truc là-bas, ça a l'air d'être un lion. Il y a quand même une pointe de gargouille dégueulasse dans le grognement des bestioles. Ah bah, leur description, c'est quand même des trucs blancs et gluants. Donc, ouais, les gargouillis, c'est plutôt raccord. Hein. C'est plutôt raccord. Tout à fait. Ah. Qu'est-ce que c'est ? Allons voir. Au. Au. Ah, il y a quand même un maximum de chutes. Faut pas déconner. Si tu sautes de trop haut, tu meurs. Je récupère ça. Faire du vaudou. J'ai probablement pas ce qu'il faut. C'est pas bien grave. Un. Un. Et si je pose le machin, ça va péter. Bon, j'espère que je vais pas me faire attaquer par un ver géant des sables, un truc. Ce serait pas très sympa. Là-haut, il y a quelque chose. Allons voir là-haut. Allons voir là-bas si j'y suis. Ah, en plus, il y a une orbe. C'est parfait. Ramassons des gros tirons. Parce que les gros tirons, c'est drôlement bon. Toc toc. C'est moi. Coucou, c'est moi. Caca, c'est mou. Il y a des trucs à choper ou pas? Non. Ah, est-ce que je peux casser? Non, on n'est pas dans Zelda, faut pas déconner. On ne peut pas casser des pots. Oh. Comme c'est dommage. C'est tout? Ah, d'accord. Ah, ok. D'accord.
Voilà. Et hop. Ça, je le récupère. C'est tout? Moi, je veux regarder là-dedans. Pourquoi je peux pas? Y a que ça? Profitons du panorama. Oui. Oui, tout à fait, mais c'est un peu... C'est un peu décevant. Waouh. Ouais, c'est très joli, hein, mais c'est tout. Oh merde. Oh, je suis un peu déçu. Bon, on va essayer de pas se chier en descendant, hein. Ce serait con de mourir maintenant. Voilà, voilà. Bah, j'ai récupéré une orbe. Super. Ah, un coffre. Ah, j'ai pas la clé. C'est pas grave, on va la fabriquer. Regarde. J'ai largement de quoi faire. Veste de dehorier. Ok. Et alors, ça donne quoi, la veste de dehorier? Ah ouais, c'est mieux. Foin doux, tissu souple, os commun. Ok. Bon bah ça fait un nouveau truc à essayer de crafter. On va aller voir là-bas, hein. Il y a peut-être des choses, hein. Est-ce que je peux... Ah, un cactus. Enfin, un nuctus. Est-ce que je peux chasser? On essaye ou pas? Ah ouais! Ah, je peux totalement leur faire la misère. Alors ça, c'est beau, tu vois. Je peux déglinguer les bestioles. Oh. Tremblez, créatures inférieures. Oh, je vais tellement leur faire la zermie. Ils vont pas comprendre leur douleur. Ok. Tu te rends compte? Ça va être un bain de sang, mais grave, on peut attaquer gratuitement les créatures de ce monde. C'est génial. Meilleur jeu du monde. Ok, alors par contre, ils ont pas bien compris... le principe. Voilà. Trop loin. Réessayons, réessayons. Peut-être autrement. Ah ouais, comme ça, c'est peut-être plus simple. Là, il y a un truc. Ah merde. Ça. Je
Ça tourne. Oui. Ah oui, mais je peux toujours pas le péter, le machin. Mais ça, c'est pas rigolo. Mais pourquoi je peux pas faire des explosions? Hein? Je peux pas faire d'explosion. C'est nul. Attends, je vais les attaquer. Oh, ce headshot! Gelée de Waddle Tooth. Ok. Ami ou ennemi? Ennemi? Je viens en paix. Je viens en paix. Gros crocodile. Ah. Ah, il a à manger là. Ok, il est reparti. Allons voir là-bas. Qui c'est qui? Ah non, c'est l'autre. Ok. C'est la créature inférieure. Tout va bien. Allez, c'est le moment de... Ah merde. Bon, on va faire le tour, c'est pas grave. On va faire le tour. Et puis c'est pas grave. Et je suis fatigué. Faites pas attention à moi, hein. Je fais que passer. Ah mais c'est pareil, hein. Salut. J'ai vu un alpha fort mort quand j'étais en train de chercher la nourriture, je ne veux pas en parler. Ok. C'est tout, super. J'ai fait tout ça pour rien. Non, c'est bien, c'est pratique. Lui. Je vais pas pouvoir parler avec. Parce qu'il va me dire ah non, je traite qu'avec les amis, tout ça. Donc c'est pas très sympa. Il y a un truc là-haut. Qu'est-ce que c'est? Encore un télescope, mais je ne peux pas m'en servir. Ils sont trop fermés, ces gens. Tout à fait. Tout à fait. Ça c'est le problème des crocodiles, tu vois. C'est... Ouais, c'est... Ils sont trop fermés. Oh, pardon. Oh. Bon, par là, c'est quoi?
Ah bah c'est bien, on nage. C'est bien, donc je suis paumé, officiellement. Je ne sais pas où je dois aller, ce que je dois faire. C'est très bien. C'est parfait. C'est le brevet, moi je veux bien, hein, mais il est où? Ton brevet à la con. Et l'autre là? Tu te rappelles les phases explodant en haut au début? Ouais, bah là, là, il y a quand même. Là, il y a de l'exploration là. Hein. Ah, attends, faut. Désolé, mais faut que je me mouche. Ah, ça va mieux. Ah, meurs voilà. Meurs voilà. Ah, désolé. Donc, je sais pas où je suis. Je sais pas où je vais. Croqueur, ouais. Mais j'ai pas de quoi faire des kits de voyage. Cariblin, Cariblin. R. Faire défiler. R. T'en as oublié sur. Non. Tu déconnes? Me dis pas ça, arrête. Me dis pas ça. Je vais avoir l'air con, moi. Ah. En plus, non mais le pire c'est que ça m'arrive. Petit farceur. Tu m'as bien eu. Alors, brevet du gardien, brevet du marchand. Comment je peux avoir ces trucs-là? Moi, je veux bien, hein, mais... Comment? Parce qu'à part errer comme un crétin, quelle bonne blague. Eh, excellente, excellente. Excellente blague. Après, quiconque a de la moustache ou de la barbe, ou les deux, sait que n'importe quoi peut aller s'y loger quand bon lui semble. Donc c'est tout à fait possible. Voilà, hop, entre les deux yeux. Merde! Loupé. Vas-y, viens. Viens. Viens, je t'attends. Ouh! Ah, c'est beau. Oh, c'était beau. Oh, oui. Alors là, je dis oui. Mais totalement oui. C'est beau, ça. Oh, ce petit piège.
des enfers. Ok. Non, mais pas la peine de t'excuser, Alain, t'inquiète, hein. Y a pas de mal. Pourquoi il veut pas? Pochette pleine, ah, d'accord. Oui, mais alors du coup, tiens, on va manger une betterave. Non, mais non, c'est pas ça que je voulais faire. Le Scrooge. Une petite betterave crue. C'est excellent. Prenons une baie. Ouais, c'est pas ouf non plus, hein. Bon, j'aimerais bien trouver le truc pour finir de crafter ce que je voulais crafter. La mousse machin là. C'est pas ça là? Il y a un truc là. C'est quoi? C'est un bug de texture. D'accord. Pourquoi pas hein. Par là, ça marche pas. Je vais passer tout le live à courir. C'est fort. Oh, une orbe! Vite! Il me la faut. Je me dois de la récupérer. Comme ça! Plouf! C'était peut-être pas une bonne idée. La grimpe, allez. Ah bah si, c'est bon, ça va. J'oublie que je suis un putain de cheval de Skyrim. Ça passe. Ah merde. Ah merde. Non, mais sors de là. Comment j'ai évité le truc, quoi. J'aurais tellement pu me faire niquer, c'était le mot, niquer. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, on va remonter. Ça va bien se passer. Enfin, peut-être. J'ai glissé, chef. Ouais. Ouais. Mais non, mais c'est une technique ancestrale. T'as rien compris. C'est une technique ancestrale d'esquive enseignée par les grands sages à tous les jeunes hommes et les jeunes femmes qui décident de partir à l'aventure. Et donc, c'est une technique aussi connue sous le nom de rebrousse chemin. Voilà, si jamais quelqu'un a décidé de t'en mettre plein la gueule, et il faut fuir. Attention, le super poulet. C'est quoi ça? Grave, ah ok. Alors attends, les trucs là-bas sont vénères, vas-y.
putain. Il est pas content. Il est pas content, non. Attention, ah, il y a une orbe. Non, mais qu'est-ce qu'il fait? C'était pas ce... non. Vite. Merde, merde, merde. Attends. Un piège. Il faut lui mettre un piège. Un piège explosif. Un piège. Vas-y, on va mettre le piège. Attends, attends, attends. Tu vas comprendre. Tu vas tellement comprendre ta douleur. Vas-y, viens. Boum! Ah, ça pique, hein. Et voilà. Brevet du ramasseur. Ah bah le voilà. Ok, tu connais la technique où tu arrêtes les coups avec les testicules et juste après tu te mets en méditation pendant 2 jours. Ouais, 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 c'est... Wally! Bah vas-y, viens. Allez, viens. Viens, je t'attends. Tiens! Aïe! Oups. Oups. Et j'ai pas fait de sauvegarde depuis tout à l'heure. Heureusement qu'il y a de la sauvegarde automatique un petit peu. Ça se défend bien la volaille. Bah, hey mec, t'as déjà essayé d'attaquer des poules dans Zelda? Ça se passe rarement bien. C'est assez vénère, hein. Ça me fait plaisir que tu utilises les commandes sonores. Al, vraiment. Tu peux pas savoir. Ouais, un truc là-bas en bas, mais non, c'est en bas, c'est chiant. Ok. Bon, je vais... Du coup, on est d'accord. Hop. Petite sauvegarde. Faut être réactif, mais c'est marrant. Ah, non, mais j'ai essayé de... Oui, non, oui, c'est sûr. Oui, oui, pour les alertes, ouais, faut être réactif, mais... C'est clair. Après, je sais pas trop comment baisser la latence du stream. J'aimerais bien, hein, mais... Mais je sais pas trop comment. Oh putain. Je vise comme une merde. Tiens, une petite flèche dans le cul. Une autre. Non mais reviens. Energizer, c'est bon. Ah merde.
Voilà. Essence. Os commun. Ah, oh, comment ça, pochette pleine. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Ah, si. Ah, si. Elle est totalement pleine. Alors, ça. Et on va se créer un petit peu de. Hein. Voilà. Ah, c'est bon. Ah. Bon, on va se refaire des flèches. Ok. Il me manque toujours la mousse. Il n'y avait pas un truc avec la l'os. Ah, c'est ça. Et j'ai vu une orbe aussi. Ah, voilà, elle est là. Brevet du gardien et brevet du marchand. Qu'est-ce que quoi? Est-ce que là, si je trace comme un... Ah ouais, non, 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 on va pas recommencer. Vas-y, viens. Viens, je t'attends. Voilà. Loupé. Vas-y, viens. Voilà. Aïe. Bon, mais. Oh putain, il y en a un autre. Mais arrête. Au secours. Mais... On va essayer le piège de la peur. Non. Oh putain, il y en a deux. Mais foutez-moi la paix. Oh là là, c'est pas bon, c'est pas bon. Faut s'en aller, vite. On se casse. C'était quoi? Brevet de quoi? Brevet du ramasseur, je l'ai déjà. Donc on se casse, vite. Je suis où là? J'en ai aucune idée. Ah si, je suis près de l'autre qui m'envoie chier à chaque fois. Putain, je reviens toujours là. Hein. Me suivent encore les poulets de l'enfer? Non, c'est bon. Bon, ça c'est pas mal. La vengeance des nuggets. Ah, enfin, ils sont vénères les nuggets quand même. Dès que j'aurai plus de stuff, j'irai leur casser les... Leur casser le bec. Comment on fait? Je me souviens plus. S'il vous plaît, monsieur. Moi, je voudrais trouver l'autre là. L'autre, il savait comment faire pour
pour faire des barils explosifs. Alors peut-être que si je le retrouve... Oh, une orbe. Il pourra m'en passer un. Voire plusieurs. Et je pourrais... Non, mais ça suffit maintenant. Faut arrêter. Donc peut-être qu'il pourra m'en passer et que je pourrais rentrer dans les trucs. Par là, ça passe. On l'a déjà vu. On a vu que ça passait. Alors, arrête. Voilà. Ah. Ah, c'est là-bas. Ok. Tu t'y fais pas. T'as pas assez joué à Skyrim, c'est pour ça. Là j'ai rien... Non, je peux plus rien ramasser. Oh. Si t'avais joué à Skyrim suffisamment, tu... Ça te choquerait pas de pouvoir monter une montagne comme ça. Allez! Alors... Il est plus là? Non. Ah merde. Ah ça c'est couillon. Peut-être qu'il est, il est dans la grotte. On va aller voir. On va aller voir. Parce que bon, là, on est d'accord que sur le stream, là, j'ai rien avancé du tout. J'ai avancé que dalle dans le jeu. Hein. Oui, mais alors ici, j'y suis déjà allé. Et ça me ramène chez moi. Donc c'est bien gentil, mais ça ne me sert à rien. Ça crapahute beaucoup mes niveaux quêtes. Bah c'est surtout c'est que je comprends pas où aller chercher les trucs en fait. C'est c'est ça qui est un peu chiant. C'est qu'il me dit trouve ce truc. Oui. Moi je veux bien trouver tout ce que tu veux. Mais si je vire ça. Non. Juste ça, tu vois. Ah non, ça c'est mon repère. Putain, j'étais en train de me dire merde. Tu vois. Brevet du gardien, brevet du marchand. Bouche à oreille, ouais. Ok, d'accord, mais. Mais c'est où? C'est quoi? C'est comment? Qu'est-ce que... Hein? Bon, voilà quoi, je veux dire... Vous êtes bien gentils les amis, mais... Mais je fais quoi de cette information? J'ai organisé une funéraire pour chaque victime, je crains que non... Il n'y a pas la place, ça n'est pas si sale et solide. Est-ce que eux, ils peuvent m'aider ou pas? Tous là, autant qu'ils sont. Si ça se trouve. Non? Il y a un truc derrière la cascade? Un mur. Voilà. Coucou, t'es de retour. Ouais.
Lui, il est bloqué. Je peux pas monter dans la cabane, c'est chiant. Lui. Attention que t'étais parti, j'étais parti, j'ai trouvé des réponses. C'est courageux mais sois prudent, blablabla. Hop, est-ce que tout en haut? Il y a des crucs. Encore une pierre. C'est une pierre. Toi là. Les choses ont changé depuis l'effondrement, machin. Putain, ils servent à que dalle. Bah, ça te dit de me regarder quand tu me parles? Elle. Ça marche pas. Elle. Ça fait bizarre de retrouver une vie normale. D'accord. Et elle. You, c'est incroyable. Ne nous abandonne plus comme ça. Tu sais qu'il est interdit. Il n'y a pas d'autre solution, bien sûr. Il y a... Ne pars pas, blablabla. Ok. Donc ils servent tous à rien. Ils sont tous déprimés. Bah en même temps le village vient de s'effondrer quoi. Et il y a eu des morts. Donc ils ont des raisons d'être... Ils ont des raisons d'être déprimés quand même. Je sais pas où aller. Ça c'est stylé. Alors faut peut-être juste que je pète la gueule à des machins et puis c'est tout hein. Ah ah. Et ben voilà, regarde. Touk. Hop, normalement c'est vieux, c'est mieux que mon vieux slip. Boum. Voilà. Qu'est-ce qu'ils veulent les dodos là? Hein? Bon voilà, super, j'ai réussi à crafter ce que je voulais crafter. Youpi! Je n'ai pas perdu le live. Mais je sais toujours pas où aller, quoi faire. Ah, un coffre! Hop, y'a quoi là-dedans? Protège Tibia. Il est bien ce protège Tibia? Plus 2. Ok, tissu souple. Ah, attends, on va essayer. Ah merde, il me faut du foin doux aussi. Bon bah tant pis.
On va les laisser s'entretuer. On va essayer de se faire des vrais potes, d'accord? Genre eux, là. Ça, ils aiment pas trop. Ça, ils aiment pas trop. Ouais. Ouais. Ok, gros tiron, ça va. Nuctus. Œuf de machin. Essence de machin. Ouais, mais non. Ça, ils s'en foutent un peu. Les os, j'ai dit non. Ah. Ok, c'est des copains maintenant. Alors, c'est qui? Vue de machin. Ok, on va aller les voir. On va voir ce que ça a changé. Vu que c'est mes amis, ça a forcément changé quelque chose. D'accord? T'es pas d'accord, Al? Moi, je pense que oui. On va pouvoir commercer, tout ça. Tu n'aimes pas trop ce genre d'amitié qui ne fonctionne que sur le matérialisme. C'est exact, mais en même temps... Ah, c'est ainsi que le monde est fait, que veux-tu? Alors, est-ce qu'il veut bien me parler, lui, maintenant? Non, toujours pas, et... Il est où, votre marchand? Il est en bas? Ah, il est là. Bon, on est copains maintenant. Et donc, normalement... Je peux leur acheter des trucs. On n'est pas loin du capitalisme. Bah... Ouais. On n'est pas loin. Essence de croqueur. Ok. Vas-y, si j'essaye de lui prendre ça. Non. Ça, je l'enlève. Je vais lui filer, alors... Hop, un bout de bois. C'est un plaisir de faire affaire. Ok. Et du coup... Ah putain, il me manque un cuir d'alpafan. C'est tout? Ça fait rien de plus. Donc en fait, il va vraiment falloir que je trouve les trucs au pif. Mais ils sont conscients que c'est chiant. Ouais, je veux dire, moi je veux bien être sympa, hein, mais c'est casse-couille. Je dois chercher où? Moi, je veux bien chercher tout ce que vous voulez, hein. Mais dites-moi où je dois commencer. Là, il y a une orbe. On va la récupérer. Hop. Super. J'en suis à je sais plus combien. 13 sur 25.
C'est fermé, tout est fermé. Je sais pas où je vais. Je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais plus qui je suis, où je vais, ni dans quelle étagère. Comment je fais? Comment? Je sais pas ce qu'il faut faire. Au secours! Plateau du Nord. Oui, c'est très bien. Mais concrètement, je vais où? Je fais quoi? Hein, reste toujours cette interrogation ultime. Il y a des trucs là-haut. Aïe. Non, ça va. Faire tendre. Coucou. J'ai appliqué vos œufs. C'est rigolo d'attaquer les créatures sans défense. Pas une bonne idée de s'approcher d'eux. Bon, ils se foutent sur la gueule, on va aller. Y'a quoi en face là-bas? C'est quoi? Je dois faire quoi avec ces trucs? Je comprends, mais je comprends pas en fait, c'est ça qui est. Bonjour. Ce serait bien d'avoir un petit peu plus d'infos, quoi. À ouest. Ah oui, non, ouest, c'est l'autre. Moi, je veux bien lui ramener tout ce qu'il veut, mais je fais comment? Je fais quoi? Je vais où? Depuis tout à l'heure, je me balade pieds nus comme un hobbit, sans savoir quoi faire. Il y a encore des mecs, ok, d'accord, mais mais je sais pas où aller. Non, parce que si tout le jeu c'est de se balader un peu au pif sans trop savoir quoi faire, ça peut vite devenir casse-pied. Ça marche, Al. Ça marche, Al.
Pardon. Mais ouais, non, pas de souci. Merci d'être passé, hein. Si t'es fatigué, va te reposer. Il n'y a pas de problème. Je vais continuer à aérer. Bon, je vais voir où ça va me mener. Probablement nulle part, mais bon, on sait jamais. Hein. Sur un malentendu. Ah, une grotte. On te l'avait jamais fait. Salut Thorvald, comment ça va bien? Coucou. Tu viens pour l'aventure? Des fragments de charognard. Je ne les ai pas. Thorvald va bien. Ah bah c'est cool. Moi ça va. J'ai un peu la crève, comme tu le sais. Et je tourne en rond depuis le début du live. Je sais juste pas quoi faire. Ni où aller. C'est horrible. Ça fait 2 heures que je joue. Et j'ai presque pas avancé quoi. J'ai aucune idée de l'endroit où je dois aller. J'ai aucune idée de ce que je dois faire. À chaque fois que je vais parler à des personnages, ils m'envoient plus ou moins paître. Voilà. Je me fais déglinguer par les créatures qui sont plus fortes que moi. C'est-à-dire à peu près toute la faune locale. Non, c'est bien, c'est bien. Ça se passe bien. Ça se passe très très bien. T'as vu que t'étais sur le jeu, mais t'as pas parlé hier. Il y a du monde à la maison et encore ce soir. No soucis, Thorvald. No soucis. Ça fait plaisir que tu prennes un peu de temps pour passer dire coucou. C'est toujours appréciable, merci. Bonne nuit, à bientôt. Ciao, merci d'être venu. Donc ouais, c'est un... C'est un simulateur de randonnée, le jeu, hein. Mais genre quelque chose d'assez puissant. Je ne sais pas comment rentrer dans les trucs. Merde. Je suis fatigué. Ah. Ça, c'est embêtant. Ça veut dire quoi, ça, sur le truc? Hein? Je dois faire quoi?
Ça devient presque énervant parce que du coup, bah j'avance pas quoi. Sûrement que ça donne des indices, ça, mais quoi? Quoi comme indice? Ça a l'air compliqué. Bah, en fait, le jeu commence très bien et tout. Il t'explique les trucs et tout. Et puis, il y a un moment où il te lâche. Et je ne sais plus quoi faire. Donc non, c'est pas spécialement compliqué, mais... Voilà. C'est... On va s'en aller. Vous énervez pas les bestioles, je me casse. Non mais ouais, du coup c'est étrange quoi, parce que le... Le fonctionnement de certains trucs, bah ça m'est pas expliqué. Là je dois trouver des trucs pour un mec pour qu'il puisse m'aider. Sauf que je sais pas où trouver les trucs. Et à chaque fois que je retourne parler au gars, il me dit non mais tant que t'auras pas trouvé les machins, je t'aiderai pas. Oui, d'accord, mais si tu peux me redire ce que je dois faire, ce serait pas mal. Non, il me redit pas, c'est tant pis pour ta gueule. C'est un style, hein. Ça je t'avoue, hein. Pourquoi pas. Côté un peu mystérieux, tu vois, genre non non, je te prends pas par la main. Mais ça rend la chose un peu austère. Protège-bras. Ok. Bah, je suis très content de trouver des nouveaux protège-bras. Je pense que j'avais besoin de ça. Allez. C'est, je suis déjà épuisé. C'est parfait. On va prendre du fenouil. Ok, le fenouil, ça donne pas tellement de... d'énergie. Ah, il y a une orbe là-haut. On va aller la chercher. Non? Bon, c'est pas grave. Mon doigt a ripé sur le bouton. Alors, ça, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce qu'il faut en faire. Je ne sais pas, je ne sais plus. Et c'est un peu embêtant. Parce que je ne retrouve plus le mec qui m'a aidé au début. Je ne sais plus où il est. Écoute, je vais essayer d'aller par là. Allez. C'est reparti. On repart dans l'autre sens. Puisque de toute manière, je n'ai pas grand-chose à faire. Et il repartit sur les routes enneigées, des montagnes enneigées.
Ah, il y a un truc là, c'est quoi? Quelque chose que j'ai déjà visité. Youpi! Ah bah oui! Bah oui, je suis déjà venu ici. Puisque ça me disait, ouais, trouve le moyen d'ouvrir la porte. Prends des notes. Là, faudrait limite, ouais. Je sais que là, je suis censé trouver le truc pour faire exploser le machin. Mais, je sais plus. Je ne sais plus quoi. C'est un petit reproche que je pourrais faire au jeu, ça, de nous abandonner un peu facilement. Parce que quand je te dis que ça fait 2 heures que je tourne et que je marche, ça fait 2 heures que je tourne et que je marche. J'ai littéralement fait une randonnée de 2 heures. Alors. Ça. Oh. Ça peut être un kiff, hein. Je dis pas. Mais il y a un moment, ce serait bien que le jeu m'aide un peu, quoi. Tout petit peu. Ce serait bien. Moi, ça me plairait bien. Parce que... Bah parce que ça avance pas, tout simplement. Hein. C'est ça qui est con. Hein. Ça n'avance pas. J'ai les brevets du ramasseur, ça c'est bon, mais le brevet du gardien et le brevet du marchand, j'ai aucune idée de comment le trouver ou le débloquer. Aucune idée. Ouais, j'ai un truc d'objectif, tu vois. Ceux-là, je les ai faits. Et donc, faut que je fasse ça. Il faut que je fasse ça. Attends. Une infusion de puissance. Est-ce que j'ai ça? Oh, t'imagines? T'imagines, fallait que je fasse ça depuis le début, je me drogue et qu'ensuite je puisse discuter avec un machin. Moi je dis ce serait... Ce serait très énervant. Viens là. Hop. Ah mais non, mais c'est pas ça. Mais si c'est ça, j'aurais l'air bien con quand même. Hein. J'aurais l'air très très con.
Faire parler les espèces nécessitera un peu plus qu'un don. Je vais faire une sauvegarde. Ça, hein. Et on va voir. Est-ce que si je retourne dans le machin, est-ce que ça peut me permettre de casser la porte? Oh, si c'est ça, t'imagines la honte. Oh là 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 là. Attention. Non, c'est pas ça. Peut-être qu'en allant parler. Niveau C, je sais pas ce que ça veut dire. Et si je vais parler à l'autre? Je vais essayer ça et puis après, bon, si jamais ça marche pas ou quoi, je pense que j'arrêterai parce que je suis un peu fatigué, je vais pas dépasser minuit, je pense. Mais bon. En plus, c'est loin. C'est très très loin. Aïe! Mais arrête, déconne pas! Tout va bien. Tout va très bien. Je vois pas le problème. Aïe, ah oui, ça fait mal ça. Ah non, quel con.
Bon, c'était pas une bonne idée non plus. Et tu vois, ces grands trucs là, je sais pas à quoi ça sert. Il y a vraiment. Ouais, un petit manque d'informations quand même. Léger. Ah, une orbe là-haut. Je vais essayer de la récupérer. Qui c'est qui m'en veut encore? Tout le monde veut me péter la gueule dans ce jeu. Tout le monde. Sans exception. Ils sont tous en colère après moi. Ah, mais oui, je me souviens qui c'est. Oui, eux, pour le coup, ils m'aiment vraiment pas. Non? Si, ça va. Je croyais que c'était les... les renards. Hop! Hop, voilà. Non, je vais pas pouvoir remonter. Pas comme ça. Alors. Bouffle, tout ça, ouais, d'accord. Trouver le moyen de rentrer dans l'une des voûtes, moi je veux bien. Coucou, chef. Coucou. Non, bah... c'est officiel, hein, je ne sais pas ce que je dois faire. Là, c'est... là, je comprends plus. Je ne sais pas ce que le jeu attend de moi. Je comprends pas. Je comprends pas ce que je dois faire. Une danse de la pluie. Bah... ou alors, allez, j'ai un dernier truc à essayer. J'ai un dernier truc à essayer, puis on verra bien. Auquel j'ai pas pensé. Et c'est un peu con. Je dois bien l'admettre.
peut-être que c'est une attaque puissante qu'il faut faire sur sa tronche. Allez. Brevet du ramasseur, ok, ça j'ai compris, je l'ai. Mais c'est tout. Hop, bon. Ah tiens, ça, du foin doux. C'est galère à trouver. Ah. Protège tibia, protège bras. Est-ce que je peux les mettre? Ah d'accord. Ouais, ça change pas grand chose quoi. Super. Bon. On va retourner. Ah. On va retourner là-haut. On va réessayer un dernier truc. Et si ça marche pas, eh ben. Si je décide de restreamer le jeu, je pense que je me spoilerai la solution parce que. Parce que j'ai pas envie de faire ça pendant 200 ans. Jusqu'à éventuellement trouver. La solution, par hasard, hein. C'est un peu chiant. Qu'est-ce que je pourrais balancer? De charge. Ou alors faut que je ramasse des trucs pour les ramener. Je comprends pas tout.
Je comprends pas tout. Ok, j'ai de l'énergie, super. Alors. C'est en bas, ça je le sais. Par là-bas, est-ce qu'il y a quelque chose? Oui, mais je m'en fous. On va descendre. Ah, va y aller. Et après, après. Ça, ça marche pas. Et si je fais... Non, c'était là que tu devais. Putain, sérieux? Mais ça marche pas. Bon bah c'est officiel, je ne comprends pas ce que je dois faire. Je ne comprends pas ce que le jeu attend de moi. Eh ben on verra ça une autre fois. Hein. On verra ça une autre fois. Oh putain, les textures qui se barrent des murs, c'est impressionnant. Bah tant pis. Tant pis, tant pis. Y a pas un truc que j'aurais loupé? Le chef du village ami a clairement indiqué que chercher refuge dans les visages, hein, c'est tout à fait pas impossible. Ils t'ont indiqué des lieux historiques appelés des voûtes. L'histoire n'a pas été tendre. Les historiques sont maintenant protégés par les villages autour. Faire parler les espèces nécessiterait un peu plus qu'un don. Ou alors, il faut que j'ai... Bon, j'essaye un dernier truc. Le mec, à chaque fois, il essaye le dernier truc. Peut-être qu'aller voir... les espèces alentour. Moi, je comprends ça aussi. Tu vois? On va essayer. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai envie d'essayer. De peut-être. Parce que, à part ça. Ça, je sais pas comment faire. Là, je pars où? Je suis déjà allé par là. Connais déjà. Alors de l'autre côté, c'est de l'autre côté que je veux aller.
Ah, et puis je commence à fatiguer, j'ai les yeux qui se ferment. Vraiment randonnée simulator. Quelque chose d'assez conséquent. J'ai passé 3 heures, 2 heures et demie à marcher au pif. Genre, c'est peut-être par là, c'est peut-être ci, c'est peut-être ça. Ah non, c'est pas là. Ah non, c'est pas ci. Ah non, c'est pas ça. Impressionnant. C'est vrai que les musiques sont cool. Je sais pas où je vais, ni ce que je fais. Peut-être qu'au pif, je vais trouver. Hein. Bon, honnêtement, ça m'étonnerait, mais on sait jamais. Ils sont loin. Ils sont super loin. Il n'y a pas d'autre plus proche? Non? Ah! Ça a piqué. Oh putain, ça a piqué. Aou. Aou, aou, aou. Aou, 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 aou. Voilà, 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 voilà. Tout ça, tout ça. Oh putain, il m'a ramené là. Oh, oh c'est loin. Pff. Oh non, c'est chiant. Et puis, il n'y a pas de voyage rapide. Ça, par contre, c'est un truc vraiment casse-couille. Il n'y a pas de voyage rapide. Donc, tu es obligé de tout te taper à pied comme un glandu. C'est... Bah, c'est casse-couille. Hein. Non, je fais que passer, laisse-moi. Ah. Ok, je me casse, c'est bon, j'ai compris. Voilà. Laisse-moi tranquille. Eh putain, je vais tomber. Bon. Ouais.
Pas terrible tout ça. Pourquoi je peux plus regarder la carte? Ah, parce que je suis dans l'eau. Oh. Et je fais comment pour rejoindre la terre ferme? Sans me noyer? S'il vous plaît. Quelqu'un. Au secours! Comme ça. C'est l'heure du pain. Grave. Le bain de minuit. Ouais. Alors attends, est-ce que... Je voudrais tester un truc. Non, je peux pas leur filer les machins là. Mais tu vois, les trucs en haut là, étant de barre, valeur. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? C'est pas expliqué. Tu vois, qu'est-ce qu'ils aiment bien? J'en sais rien, moi. Sont toujours hostiles, mais va te faire foutre. Ah, neutre. Ok. Du coup, si je vais les voir. Non. Putain, mais c'est pas possible. Je crois qu'il va être temps d'arrêter en fait. Je suis fatigué, j'arrive plus à rien, j'arrive plus à réfléchir. Je pense que c'est le signe de devoir s'arrêter. Ils sont hostiles ou pas? Est-ce qu'ils sont hostiles? Est-ce que ça a marché ou pas? Ou il faut que je recommence? Je crois que ça a merdé, hein. Je crois. Ça a merdé en plus. Ouais bah. Il dit qu'il va sauvegarder et il dit qu'il va s'arrêter là. Voilà. Voilà, voilà. Alors il va faire. Boum! Comme ça. Et il va quitter le jeu. Et puis bah ça va bien se passer. Ah. Ouais, très 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 curieux cette partie. Très très étrange. J'ai pas tout compris. J'ai pas tout compris. C'est Non mais c'est enfin c'est chelou parce que ouais le jeu est vachement avare en info là pour le coup, le stream d'hier, j'étais enfin t'es plutôt bien accompagné.
j'avais les infos et tout ça, les marqueurs de quête qui te disaient bah c'est à peu près par là, c'est ci, machin. Et là, bah y a plus rien quoi. Y a plus rien, je comprends pas. C'est bizarre. C'est très bizarre. Donc bon, à voir, je vais essayer de regarder quand même s'il n'y a pas un truc que j'ai loupé. Mais c'est un peu con parce que c'est ça reste que le début du jeu quoi. Donc si dès le début du jeu je loupe des trucs, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Mais bon, c'est pas bien grave non plus. Désolé. Ok. Eh ben écoutez les copains. J'avoue plus rien. Ah, oh, Xtesa, tu es là, je t'avais pas vu, pardon. Coucou. Ah, on est d'accord, hein. Enfin, c'est pas moi qui suis mauvais ou qui interprète mal les trucs, c'est le jeu, il me donne plus aucune info, hein. Ouais, après, ouais, peut-être qu'il va y avoir des améliorations. Ce que je vous disais quand j'ai lancé GOG tout à l'heure, la première chose qu'il m'a fait, c'est une mise à jour du jeu. Donc il y a peut-être des trucs qui vont s'améliorer, quoi. Puis j'irai regarder, j'essaierai d'aller voir les VOD d'autres streamers qui l'ont fait, voir si j'ai pas loupé un truc, tu vois. Parce que parce que dans l'ensemble le jeu je l'aime bien, tu vois. J'aimerais bien un peu mieux comprendre aussi le système de le système des factions et tout ça. Tu viens d'arriver, t'es arrivé, et je parlais de je trouve plus rien. Ouais bah ouais bah, bah pour te dire c'est Extesa, je viens de passer 2 heures et demie de live à marcher. Voilà. J'ai fait une randonnée de 2 heures et demie. C'est pas mal. C'est sympa, hein. C'est toujours bon pour le gras. Mais, mais pour l'avancée du jeu, c'est pas foufou. Y a eu plus palpitant comme live. Mais bon. C'est pas, voilà. Comme je dis, le jeu est tout neuf. C'est une petite équipe. Donc, à voir s'ils améliorent les choses par la suite. Si ça reste aussi nébuleux pour tout le reste. Là, on va commencer à pas à tirer dessus non plus. Enfin voilà, faut pas le descendre, mais disons à être un peu plus critique sur certaines choses. Parce que autant tu vois que genre on parlait hier de la localisation qui était un peu aux fraises par moment. Voilà, dû au fait que c'est un petit studio, mais au moins elle est là. T'as des studios, des petits studios, quand ils te sortent un jeu, il est en anglais, point barre, et démerde-toi avec ça. Donc voilà, mais là c'est quand même au niveau des mécaniques de gameplay, si tu sais pas quelle est ta quête, ou comment l'accomplir, petit souci quand même. Petit souci. T'as vu que ça arrive en retard. Ouais, et puis en plus là, t'arrives sur la fin, parce que je vais... Honnêtement, enfin, ça fait plusieurs fois que je suis mort bêtement dans le jeu. Je commence à avoir les yeux qui piquent, parce que mine de rien, j'ai la journée de boulot dans les pattes. Voilà, j'ai lancé le live tout à l'heure, parce que je le sentais bien, j'avais envie, je voulais continuer le jeu, il m'avait bien plu hier. Donc ouais, c'était pas prévu, mais bah, il y a un stream qui s'est pointé. Donc bon. Mais c'est gentil d'être passé quand même, c'est juste dommage pour toi que t'arrives à la fin, quoi. C'est surtout ça. Et puis voilà. Donc, est-ce que j'ai des choses à rajouter? Je ne crois pas. Je ne pense pas. Je crois que j'ai fait le tour. Donc ouais, j'essaierai de, comme j'ai dit, j'essaierai d'aller voir là où j'ai merdé, parce que je, bah, ouais, de deux choses l'une, soit c'est moi qui est con comme une barrique et que je comprends pas ce qu'il faut faire, soit c'est le jeu qui a un problème au niveau de la compréhension de ce qu'il te demande, et ça, c'est un autre souci. C'est un autre souci. Donc on verra tout ça. Bah écoutez les copains, je vous remercie d'être venus, que ce soit de manière furtive ou prolongée.
Ça fait toujours plaisir. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, le prochain live. Donc, ce sera pas demain, dimanche, enfin, tout à l'heure, parce qu'on est déjà dimanche, il est minuit passé. Mais bref, je pense pas que ce sera dimanche soir, parce que je vais probablement aller au cinéma avec des copains. Donc voilà. Sinon, ce sera donc lundi soir, 21h30, on continuera Grim Fandango. C'est un excellent point and click de LucasArts. Feu LucasArts, bien évidemment. Et puis, comme tu le sais, mercredi, ce sera, comme tu le sais, Extesa, mercredi, Alien Isolation. Voilà. Et puis, à vous qui êtes dans le turfu avec la VOD, bah, n'hésitez pas à liker la chaîne, à me suivre sur Facebook, sur Twitter, à aller sur Discord. Tiens, si tu veux, Extesa, nous rejoindre sur Discord, n'hésite pas. Ça fait toujours plaisir. Et puis voilà. Allez, je vais pas faire traîner plus que ça. Je fais toujours traîner mes fins de live, c'est terrible. Donc des Beko, des Gilbert, des Léchouilles sur chaque fesse. Prenez soin de vous, soyez sages mais pas trop. Et puis on se donne rendez-vous au prochain live pour ceux qui seront là. Ciao les copains.